Et salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment installer le Seamless Mode Coop pour Elden Ring pour pouvoir jouer jusqu'à 4 joueurs sans avoir à vous réinvoquer de façon très très simple. On va commencer par télécharger le fichier. Alors vous trouverez le lien dans la description, vous cliquez sur Manual Download, il faudra être connecté. Ensuite sur Slow Download, sauf si vous êtes Premium sur Nexus Mode. Et voici, vous avez votre petit fichier WinRAR avec deux éléments dedans, dont un dossier et un exe. Et avant d'aller plus loin, faites bien une sauvegarde de votre perso sur la Hive classique, on va dire votre perso principal. C'est ces deux fichiers-là, vous les sauvegardez quelque part. Pour l'installer, il suffit de faire un clic droit sur votre jeu dans Steam, gérer, parcourir les fichiers locaux, et ça va vous emmener directement là où il est installé. Vous ne prenez pas la tête, hein, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et alors ici, donc, vous avez votre jeu. Il suffit tout simplement de sélectionner tout ce qu'il y a dans le RAR et de le glisser dans le dossier. C'est tout. Et donc avant de vous lancer dans cette aventure coop, il reste une dernière étape à faire. Vous rentrez dans le dossier Seamless Coop. Clique droit sur mot de passe, modifier, et vous avez donc le fichier qui s'affiche. Vous mettez votre mot de passe, vous laissez bien comme c'est, un espace, espace, never, ever, give you up, ça c'est le mot de passe que j'ai mis, et vous faites enregistrer. Alors in-game ça donne quoi? Vous avez le Tiny Great Pot, c'est pour ouvrir votre session à d'autres joueurs, vos potes qui ont le même mot de passe évidemment. Donc vous l'activez. L'effigie de Malenia, c'est pour Malenia, pardon, c'est pour ceux qui veulent vous rejoindre, qui ont le mot de passe. S'il n'y a pas le mot de passe, ça ne marchera pas, tout simplement. Et ensuite, on a le Separation Miss, ça permet de virer tout le monde de la session. Et le Judicator Rulebook, ça permet d'activer le TK, le FF, et donc de PVP entre potes. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore pu essayer le coop. Mon pote est parti sortir le chien, no fake. Mais si jamais ça marche vraiment bien, je n'hésiterai pas à mettre des extraits de nos parties coop dans la chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu. Et même des commentaires, c'est pas mal pour le référencement, même si je m'en fous un peu. Et ben, je vous dis très très bon week-end. Salut à tous.